les faites à combien ces deux livres? Je vous les fais pour 5 euros. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Pour combien le manteau? 10 euros aussi. Vous pouvez pas faire un peu moins? Non, 10 euros, ça sera bon, vendu. Pareil, est à vendre? Oui, oui, tout ce qu'il y a dans le coffre est à vendre. Ça fera un très beau cadeau d'anniversaire pour mon père. Faites attention. Faites attention, il est fragile. Faut tester. Il est en très bon état. Pour 30 euros, je vous le prends. Attendez, c'est un appareil photo de qualité. Votre offre est trop basse. Moi, je le prends pour 60 euros. Non, mais je ne le vendrai pas à moins de 80 euros. Pour 80 euros, je vous le prends. Alors, on veut pour 80. Tenez. Pourquoi avez-vous décidé de vendre ces objets? Oh, elles ne sont pas à moi, vous savez. Elles appartenaient à un groupe d'étudiants qui louait un de mes appartes. Ils ont disparu il y a 2 mois, et sans laisser aucune trace. Et maintenant, j'essaye de vendre leurs affaires pour louer à nouveau mon appartement. Je comprends le peu d'attachement que vous avez pour ces objets. Mais c'est tout de même bizarre ces disparitions, non? C'est vrai que c'est étrange, mais la police n'a pas pu expliquer. Mais je suis sûr qu'ils sont en vie. D'accord. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Salut frérot, ça va? T'as trouvé quoi au marché? J'ai trouvé ça pour l'anniversaire de papa. Ouais, fais voir. Fais attention, c'est fragile. Mais il est même pas numérique, il marche avec une pellicule. Je sais pas s'il y a une pellicule, mais j'ai pensé qu'un appareil vintage, je crois pas, ça serait très bien. Ça lui rappellerait son enfance. Ouais, c'est vrai, pas mal. Comment ça s'ouvre? Fais attention. T'inquiète. Je t'ai dit de pas prendre de photos. Ouais, mais c'est la rose à maman, ça lui fera plaisir. Mais non, je t'ai dit de pas prendre de photos. Ok. Jamy! Jamy, t'as fait quoi à la rose? Bah rien du tout, j'ai juste pris en photo. Attends, comment elle a fait pour faner en à peine 2 heures? Mais je sais pas moi. Je suis pas mal ici, on pourrait faire failler des fleurs. Ouais, bah on va quand même la jeter. Ok. Jamy, t'en penses quoi de l'appareil photo? Je sais pas, mais il est maudit. Tout ce que j'ai pris en photo est détruit maintenant. Mais c'est peut-être juste le hasard. Non, je pense pas. Regarde cette rose qui a fané en quelques heures. Et mon copain qui s'est fait percuter par une voiture. Écoute, ça te dérange, je vais faire développer la pellicule. Et on verra bien. Et après, il restera papa. Toi, tu n'y touches plus. Pourquoi veux-tu faire développer les photos? Parce que je suis curieux. Et développer les photos est le seul moyen de percer le mystère. Ok, fais vite. Papa et maman rentrent bientôt.
ma famille? Vos parents, ils sont partis en voyage, monsieur. Oui, je sais, mais mon frère Jamy, il est où? Jamy... Ah, il est parti il y a 20 minutes par ses copains, je crois. Avec l'appareil de papa? Qu'est-ce que j'en sais? Bah, je pense, je ne sais pas. Il a dernier appareil photo, en tout cas. Je veux que j'en attends. Vous avez sali mon sol tout propre! Jamy, arrête! Oui? Pourquoi? Arrête! Jamy, t'as pris une photo? Non. Même pas vous deux? Non, pas nous deux. T'es sûr? Ouais. Et rien autour d'alentour, t'as rien pris? Bah, la ville. T'allais pas la prendre. Pourquoi? Parce que cet appareil est maudit. Non,